Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tuteurs du net. Alors j'ai remarqué que les abonnés avaient un tout petit peu de mal à pouvoir retrouver ici les vidéos de manière tout simplement bien classée au niveau de la chaîne YouTube. Ok? Donc pour ce faire, rien de bien compliqué. Si vous vous rendez par exemple sur youtube.com, vous n'avez qu'à taper ici au niveau de la barre de recherche les tuteurs du net. Ok, donc si je tape ici les teachers, vous voyez, j'ai ici comme proposition les teachers du net. Je n'ai qu'à cliquer sur ce Mishibishi et automatiquement, j'aurai la possibilité ici de pouvoir choisir ici la chaîne YouTube des teachers du net. Donc je clique sur ce fameux lien et vous allez voir que je vais me trouver directement ici sur la chaîne YouTube des teachers du net. Ok, alors là, si je veux rechercher une vidéo, je peux tout simplement taper le nom de la vidéo suivi ici par exemple des teachers du net. Supposons que je me dis qu'il y a peut-être une vidéo sur Python au niveau de la chaîne YouTube des teachers du net. Donc je mets par exemple ici Python, ok, je peux l'écrire en minuscule, donc Python comme ceci, et je mets ici les teachers du net, ce qui va faciliter tout simplement la recherche. Donc là, si je valide et qu'on recherche au niveau de YouTube, vous voyez, j'ai bel et bien ici les vidéos sur Python des teachers du net. Ok, maintenant si vous voulez par exemple avoir ici des playlists, vous n'avez pas tout simplement en tête un langage sur lequel vous souhaitez avoir des vidéos, vous pouvez voir ici les vidéos qui sont disponibles. Premièrement, vous avez ici les vidéos récentes. Voilà ici la dernière vidéo qui était tout simplement pour les amoureux. Bonne fête de Saint-Valentin. Ok. Vous avez également ici la possibilité de voir les vidéos populaires. Donc je peux également cliquer sur cette flèche pour pouvoir avancer ici tout simplement. Et là, tout juste en bas, on a quelque chose de très intéressant, ce sont les playlists. Les playlists vont nous permettre de pouvoir regrouper un ensemble de vidéos sur un thème donné. Ok? Donc là, je peux voir ici qu'au niveau de la playlist concernant AngularJS, il y a 3 vidéos présentement, HTML5 Games, 3 vidéos, ainsi de suite. Donc si je veux voir ici l'ensemble des playlists, je n'ai qu'à venir ici et cliquer ici sur playlist. Je vais voir listé au niveau de la chaîne YouTube l'ensemble des playlists qui sont disponibles. Ainsi, vous pourrez descendre par exemple et rechercher la playlist qui vous intéresse. Par exemple, ici, programmer en Java. C'est une autre playlist sur les bases de données, sur les reprises, la reprise plutôt des fonctionnalités de YouTube, ainsi de suite. Donc, si vous descendez, vous allez voir ici un ensemble de playlists disponibles au niveau de la chaîne YouTube des Teachers du Net. Donc là, j'ai cliqué également sur ce Mushibushi Plus pour pouvoir avoir encore d'autres playlists parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, par exemple, si je clique à ce niveau sur JavaScript, j'aurai ici l'ensemble des vidéos au niveau de la playlist JavaScript. Donc de notre série de vidéos sur JavaScript. Et ainsi, vous allez avoir des vidéos qui sont très 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 bien listées et facilement ici vous retrouvez. Donc vous voyez, j'ai la première vidéo, la deuxième vidéo, la troisième vidéo, la quatrième vidéo, ainsi de suite. Ok? Par contre, si précédemment, en lieu et place ici de cliquer sur le lien, vous cliquez plutôt sur l'image, automatiquement il va commencer à lire la série de vidéos. Donc vous voyez ici tout regarder en commençant par la première vidéo. Et donc libre à vous de pouvoir choisir ici quelle fonctionnalité vous souhaitez avoir. Alors les gars, grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. Merci de continuer à vous abonner. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. And have a nice day. Peace.